Mais salut à vous, on se retrouve aujourd'hui pour des donjons dans Maple Story 2. Alors je joue prêtre. Donc c'est le Barasca Ice Cave. Bon, c'est pas des donjons très très hard. Ah, désolé, quand il y a le petit carré qui apparaît au milieu de l'écran, c'est j'ai un petit souci avec mon truc, j'ai là. Bah, des fois, ça bug. Vas-y, on fait du overheal. Dépêche un petit peu hein, pour que ça aille un peu plus vite. Bon, on est que 3 hein. Dans les donjons. Hein. Je fais avec deux autres amis. Là, on est en normal, on n'est pas encore en hard. Hein. Oh là, elle a failli tomber. C'est le boss final, il va falloir s'accrocher à des moments donnés sur son dos quand il va vouloir changer de plateforme. Hop, on va claquer la petite AOE par terre. Là on s'accroche. Paf, il s'envoie en l'air. Désolé, petit souci avec ma manette. Quand je fais LT Shift, la flèche du bas, ça m'ouvre les skills.
prennent cher, hein, mes potos là. On s'accroche pour éviter d'être stun quand il fait son petit bond là. On s'accroche. Ouh là, j'ai failli rater là. Non, je me suis accroché. Voilà, on met les AOE au sol et on se heal. Il tape fort hein, quand même. Hein. À un petit moment donné. Bon, les armes, nous, on peut pas encore les faire. Il faut plus de 2 KGS et on a 1700 à peu près chacun. Hop, on va céder un petit peu. Hop. Ouais, je pense que mes 1000 de soins, c'est pas dégueu quoi, en critique. Ouh, un 2000, un 2241, pas mal. Hop, allez. Ça croche. Alors, fallait pas s'accrocher. Il est mort, voilà. Ouais, rien de spécial non plus. Non, moi aussi j'ai rien eu. Voilà, petit donjon, pas très compliqué. Boss de fin, bien pensé à s'accrocher, c'est tout. Hein. Et c'est facile. Un bon heal aussi, hein, parce que et des gens qui restent bien paquets avec vous, parce que les heals du heal sont pas, c'est pas immense quoi. Donc, faut faire attention. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu du petit donjon sur MapleStory. Je ferai les autres vidéos des autres donjons, bien évidemment, hein, donc ça va arriver très vite, hein, je vais pas faire comme d'habitude, en mettre un tous les 2-3 jours, là je vais sûrement tous les balancer en même temps. Donc si les vidéos vous plaisent, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir.